Bonjour, bonjour. 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 Je m'appelle Rachel. Je suis maghrébine et je suis le nouveau professeur de philosophie. Ça vous fait rire? Et c'est tout. Et c'est tout. Mettons-nous autour de la table. Je vais vous donner un exemple très précis, mais je laisse la parole d'abord à mes collègues. Nous sommes dans une société où il reste le cri invective. Je ne sais pas où est l'entreprise au niveau 4. Je vais vous donner un exemple très précis, attention. Mais Facebook a tout changé, hein. Oh, excusez-moi. Les médias véhiculent l'héroïsation de la personne. Une société où domine le cri invective. Tant pis. J'ai alerté un ancien du cabinet. On peut parler d'un mouvement plus horizontal. Mais je ne sais pas si l'entreprise est au niveau 4 ou bien... Balance ton porc agrégé. L'individualisme des nouveaux activistes. Balance ton porc. J'ai alerté en cœur un ancien du cabinet, mais je ne sais pas où... Une adaptation des cultures locales. L'individualisation des nouveaux activistes. Balance ton porc. Je peux m'exprimer sur d'autres sujets? Non, et puis tant pis si ça dérange. Est-ce qu'on peut être capitaliste et valoriser la prise de parole? J'occupe solennellement ce tabouret pour dénoncer une situation bien trop commune. Balance ton porc! L'élève de 3e dont je ne donnerai pas le nom. Horizontal. Actuellement, élève singulier, dirions-nous, n'a pas pu avoir son stage d'insertion professionnelle. C'est une personnalité très clivante, vous voyez. Les CV, les lettres de motivation, les déclarations CAF, les quittances de loyer qu'il a envoyées n'ont pas reçu de réponse positive à son stage. L'établissement pénitentiaire n'a eu comme seule réponse de lui proposer de faire son stage au sein de la vie scolaire. C'est une des choses qui me fascine. On peut changer les cultures. On peut discuter. Personnaliser le mouvement. Je resterai sur ce tabouret. Je resterai sur ce tabouret. Poser une telle réalité. Je suis persuadée qu'il faut valoriser ses propres mérites. Fraternité. Une fois de plus, la norme. Fraternité. La norme s'est imposée. Fraternité. L'individu est particulièrement important. L'individu. Les médias véhiculent l'héroïsation de la personne. Fraternité.